Ah, les amis, comment on se retrouve sur cette nouvelle vidéo de WWE SmackDown vs Raw 2010 sur PS2, c'est parti avec le catcheur Cody Rhodes, c'est Cody les amis. Voilà, Cody. Comme Batista. T'as Cody Rhodes là les gars, qui est en train de créer son équipe là, pour survivre hors série. Wargame. Alors on a fait nous merci, c'est personne D, Survivor Series. Tiens mais ça serait marrant de refaire Survivor Series. Allez. Alors dans son équipe là il y a quoi? Il y a Jey Uso. Sami Zayn, Jey Uso. Putain, il y a qui d'autre? Parce que l'équipe adverse, il y a qui? Il y a le Jugement Day et Drew McIntyre. Il y a. Putain, ils sont 4. Ils sont 4, il manque une 5ème personne. On ne sait pas si c'est CM Punk ou qui retourne ou Randy Orton. Donc Cody, Jay, Sami Zayn, et putain il me manque un. Oh merde. Oh le trou de mémoire que j'ai. Qui c'est que c'est? Qui c'est le quatrième? Là Cody va commencer à faire son crossroads. Ah, il n'y a pas le wargame. Il est quoi dans tout qui est 23. The Survivor Series can be traced back to 1987. And since its arrival, it's become one of my favorite Thanksgiving traditions. Oh yeah, turkey, football, and the WWE doesn't get any better than this. And he locks in the submission, working on the arm. Ah ouais, Seth Rollins, voilà, c'est ça, je regarde sur mon téléphone là, c'est pour ça que j'étais un peu absent. Au niveau des jambes. Bon. On reprend. Voilà. Ah, il me le... La jambe.
Tiens, crossword. Deuxième provocation. Là, je fais ça pour qu'il tombe droit. Voilà, c'est bon, on a fait les jambes. Et il manque un coup spécial. Dans celui-là, on l'a fait. Cody, Cody. D'ailleurs, c'est le sans-père du Steve Rhodes hein, qui a fait le wargame. Qui a créé le match. Après, je suis pas sûr si c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être ça, en courant. Ah ouais, mais c'était ça. D'accord, bon, allez. Passe pas derrière. Troisième provocation. Quatrième. Oui, pas derrière, on a fait la deuxième. Non, c'est pas ça. Allez. Ah, tu vois, lui, il a failli se prendre la prise. Lui. Là, il commence à s'imposer, là, à avoir son propre style avec le Crossroads. Mais j'aimais beaucoup cette équipe, là, la Legacy, c'était une des meilleures pour moi, j'adorais. Avec Orton, là, c'était. Ah, il a fait du chemin notre petit Cody. T'es Cody. Cody. Ah ben, ils disent qu'il y a un autre coup spécial, c'est ça. Ah bon. Ouais, mais t'as pas derrière. Allez, prends-toi ça, Kiki. Oh, Kiki. Voilà. Allez, on commence la série de prises et on a terminé. Tiens.
Oh, j'ai deux forces et c'est prise, ça, mais je vois pas Cody faire ça. Hein. Ça ouais, ça j'ai plus dans ses cordes. Allez, deuxième série de prises. Petit STF. Petit attitude adjustment. Ça serait bien que pour chaque catcheur, tu peux acheter leur tenue qu'on voit, parce qu'à chaque fois, ça, ils le mettent pas et c'est un gros dommage. Par contre, s'ils veulent de la créativité, de la nouveauté, il va falloir à un moment donné. Même les commentateurs français, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour qu'ils mettent. Le jeu ultime, quoi. Là, Naruto, ils ont réussi à bien faire les voix françaises. Non merde, on a fait ça. Allez, dernière série de prises. Oh lui, je pense pas qu'il va avoir sa scène de fin. Pas assez... pas assez connu, on va dire. Il commence juste à se démarquer, quoi. Allez, terminé. Allez, on va finir avec un petit crossroads. Oh, le plaisir. Fini. Oh, c'est pas ça, ça me fait rien. Non, non, je pense pas. Non. Non, non. Quand ils font les mêmes gestes comme ça. Non, non, alors. Non. Bon les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, dites-moi tout, abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir, on se voit très vite sur une nouvelle vidéo, ciao ciao.